Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio en multi avec Katox. Salut Katox! Salut. Et du coup, on reprend notre partie, et donc on savait plus trop où on en était. Alors si, on s'était rendu compte que la nouvelle centrale électrique en fait était pas connectée au réseau global. Et maintenant, elle l'est. Voilà, ce qui expliquait que bah il y avait quelques trucs qui se galéraient un peu et qui ralentissaient à mort. Donc maintenant, c'est chose faite, et ça c'est plutôt cool. Et personne ne l'avait noté dans les commentaires, je ne vous félicite pas, c'est pas comme si je vous montrais le réseau électrique tous les jours. Shame. Alors, il y a Zikino dans les commentaires qui m'a dit il faut cliquer sur un répartiteur. Oh, ah oui, effectivement, hein, je sais pas si t'as essayé. Quoi pour? Quand tu cliques sur un répartiteur, tu peux définir les priorités en entrée à gauche, à droite. Choisir Mettre si un ça répartit, tu filtre. peux mettre des filtres et tout. Oula, faudra tester tout ça. Intéressant, intéressant, effectivement. Comment on le ferme? Au secours! Ferme-toi! Espace, échappe, parfait. Ok, bah c'est cool. Bah effectivement, oui, il y a peut-être moyen de rendre le truc un petit peu plus intelligent du coup. Bon, bah pour l'instant, on fera pas de miracle, mais. Alors, au niveau des grenades, c'est toujours un peu juste. Est-ce que les deux fonctionnent? Oui, les deux fonctionnent. Mais ils sont longs en fait à fabriquer des grenades. Bon bah écoutez, ils sont longs, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est pas trop un goulot d'étranglement, mais on voit déjà que maintenant on a de l'électricité au taquet de l'électricité, quoi. C'est déjà pas mal. C'est bon, tout le monde bosse. La science avance, et maintenant on va pouvoir se lancer dans des trucs un peu plus sympas maintenant qu'on a des potions jaunes. Non, pas jaunes, bleues, pardon, excusez-moi. On a les potions suivantes. C'est ça, voilà. Bah du coup, après, je pense qu'on va partir sur la productivité minière en speed. Et sinon, après, des fours plus rapides, des meilleures distributions électriques, de force de freinage pour les trains. Alors, on m'a dit qu'on pouvait rentrer à deux aussi dans les voitures. Faudra tester. Ça peut être fun. Ah, on n'avait pas parlé des explosifs de falaise aussi. Si. Pour se débarrasser de ce truc, bah écoute, c'est parti. Hop là, ça va aller vite, je pense. Emplacement de déchargement logistique du joueur. Hmm. Bouclier d'énergie. Moteur électrique. Batterie personnelle. On n'avait pas dit qu'il fallait. Si, on a dit qu'il fallait qu'on fasse des batteries pour assurer notre. C'est pour ça qu'on a sorti du soufre. C'est ça, exact. On avait besoin de soufre pour les potions bleues et pour les batteries. Donc oui aussi, hein, j'ai vu les différents filtres de la carte, hein, je sais que vous me l'avez signalé. Mais comme on est plus ou moins bah, dans notre coin protégé, c'est vrai que je vais pas souvent la voir la carte, je m'inquiète pas trop de ce qui s'y passe. Est-ce que tu as commencé à travailler sur les batteries ou est-ce que je jette un œil? J'ai encore rien fait. Ok, je vais jeter un œil alors. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des batteries? Alors ici, pourquoi t'as pas de. Ah bah t'as foiré un truc là, attends. Ah je peux pas passer, putain le drame. T'as une chaudière qui Ah n'a pas de là. charbon. Oui, c'est parce qu'il faut. J'attends les explosifs de falaise. Ah oui, je me disais est-ce qu'on peut le passer, mais j'ai pas l'impression. Bah écoute, ça recherche et ça avance bien donc. Quelles Bon, sont ça, les ça touches va. déjà? Allez, ça fait un moment qu'on n'a pas joué malheureusement donc faut qu'on se recale. Hein. La batterie. Il faut de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, il faut du soufre et de l'eau. Ok. Et ça se fabrique dans quoi? Une usine de produits chimiques. Ce qui veut dire que je pourrais genre me greffer dans le coin, par exemple. Sortir de l'acide sulfurique. J'imagine que ça se stocke dans de la tuyau, dans des tuyauteries, ce truc-là. C'est un liquide. Bah, l'acide sulfurique, ouais, c'est plutôt un liquide, ouais. On va faire une usine déjà. Et on m'a dit aussi qu'on pouvait rentrer dans le train et le piloter, si on voulait. Oui, ça, J'avais pas ça fait je savais. attention. J'avais testé. Est-ce qu'il y a une raison à ce schéma là? Lequel?
Bah, le bras en bas qui ne ramasse jamais rien du coup. Ouais, c'est parce que quand ça a commencé à produire, il y avait un peu beaucoup, mais tu peux l'enlever si tu veux. Parce que du coup, il faudrait que je greffe mon usine à acide sulfurique dans le coin, vu qu'il y a de la flotte, ça sera l'occasion. Il y a de la flotte et du soufre, donc c'est double bénef. Ça se fait dans quoi du coup? Par contre, je suis surpris que tu n'aies pas fait un truc pour envoyer sur la gauche. C'est parce qu'on envoie du plastique, c'est ça? Oui, c'est parce qu'on envoie du plastique. Bah, en même temps, non, ça serait pareil. Ça arriverait de toute façon sur la voie. C'est pas très grave. Ça se fait avec une usine de produits chimiques. J'en fais deux d'ailleurs. Et on a vu que les usines de produits chimiques, avant de les relier à quoi que ce soit, il fallait. Alors, explosif de falaise. Donc ça va sortir ici, rentrer là, donc si je veux rentrer de l'eau, plus ce truc, il vaut mieux que je fasse ça et ça, par exemple. Ensuite, il faut choisir la recette avant. Donc, ah putain, il faut des plaques de fer aussi, quelle plaie. De l'eau, du soufre et des plaques de fer. De l'eau à envoyer par là, du soufre, il va nous falloir des plaques de fer qu'on va ramener de je ne sais où. Et donc ça sort, c'est pas marqué que c'est un liquide, mais j'imagine que c'est un liquide. Oh la vache, ça va être loin les plaques de fer. Alors attends, je peux peut-être me foutre ailleurs et amener l'eau plutôt, ça sera plus simple en fait. Je pense que t'auras plus facile à faire ça. Là. Ouais, amener l'eau. Alors les explosifs de falaise sont terminés si tu veux. Hein. Ouais, j'essaie de trouver juste la recette. J'ai lancé productivité minière 2. Des explosifs, il faut des soufre et de l'eau, ouais, donc il faut aussi du soufre et de l'eau pour faire des explosifs. Ah oui, tu peux pas les fabriquer toi-même. Ah merde. Ouais. Oh, j'avoue, ils apparaissent même pas. Ah ici, ils sont là. Il faut une grenade, des explosifs, ok, et un baril vide. J'imagine bien le baril vide bourré d'explosifs avec une grenade comme détonateur, ça. On voit très 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 bien l'idée. C'est explosif de falaise, c'est juste un tas d'explosifs, quoi. C'est ça. C'est plus d'explosifs, quoi. Ils n'ont rien à voir avec la falaise, en fait. Sur Warhammer, les orques, ils ont appelé ça un gros boom. Exactement. Alors, du coup, on a des plaques ici. Ce qui peut être éventuellement intéressant, si on peut les sortir. Est-ce qu'on pourrait éventuellement caser un truc ici? Non, il n'était pas relié, là. Ah, il y a une caisse trop loin, ce con. Ce n'est point pratique. C'est bien dommage. C'est A pour lâcher, ouais, c'est ça. Du coup. Alors après, on peut peut-être dégager ce. Ouais, mais si je. Non, ça ne me sert à rien. De toute façon, si j'arrive ici, ça ne me sert à rien. Ça marche plutôt bien cette petite usine, je suis assez content de ce schéma, mine de rien. Est-ce qu'il y en a qui travaillent pas? Ouais, il y en a quand même qui travaillent pas. Hein. On a quand même une déficience de trucs rouges. Hein. Ça travaille. On a une déficience de lumière aussi. Une petite lumière. Hein. Est-ce que je pourrais en faire une autre? Qui sera en dehors du tampon du coup, qui poserait directement là. Ouais, bon, c'est pas forcément gênant. Oh non! J'ai plus de plaque de fer, le drame. Voilà. Pillons ça comme un gros sac. Pas de scrupules. Et on va faire une petite machine d'assemblage rapide, on va augmenter la production de. Deux trucs rouges là. Du coup, il faudrait qu'on la dépose dans ce coffre. Ça doit être faisable avec un truc rouge là. Donc, on aura un truc rouge qui posera dans ce coffre. Une machine qu'on va mettre là. Et on va descendre ceci. Une seule, ça suffit. Donc on veut
des circuits électroniques avancés et de l'électricité, bien sûr. Après, si je mets des trucs rapides, non, ça sert, de toute façon, ils chargent suffisamment rapidement. Je vais vérifier que ça fonctionne. Ah non, merde, il nous faut du ça aussi. Ah oui, ça c'est un problème. Il faudra que je mette ce tampon plus bas du coup. Pourquoi je peux pas le prendre? Inventaire. Ah merde, inventaire du joueur plein. Ah, d'ailleurs. C'est embêtant. Du coup, il faudrait qu'on aille au moins jusqu'ici. Ensuite. Alors, inventaire est plein. Qu'est-ce que je peux me débarrasser éventuellement là? Du minerai de fer. Putain, j'ai plein de charbon qui sert à que dalle. On va aller foutre le charbon dans un truc là. Dans des fours. Je crois que c'est la première fois depuis le début de la partie que j'ai mon inventaire plein. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bah, du coup, moi, ça ne m'était jamais arrivé encore. De... Merde, j'ai repris des plaques de cuivre du coup, bon, c'est pas grave. C'est pas très gênant. Est-ce que j'ai suffisamment pour vider ce coffre du coup? Toujours pas, il y en a combien là-dedans? Ah, encore 400, putain. Est-ce que je peux poser du soufre là-dessus? Non. Je suis trop loin. Ah, ça a dû m'en débarrasser un peu là. Ouais. Oh la vache! C'est ouf! En même temps, c'est sûr qu'avec mes 2000 convoyeurs, ça se voit un peu quoi. Que ça? Ouais, tu sais, j'avais. Je sais plus ce que j'avais fait, j'avais fait une boulette à un moment et j'en avais fabriqué 2000 ou un truc du genre. Je sais plus du tout ce que j'avais foutu, honnêtement. Ici, du fer. Hop, hop. Tout ça, c'est du fer. Ouais, on a des chargeurs, mais bon. J'ai un petit peu de cuivre. Alors, le poisson cru, on m'a dit que ça faisait moins 80 de vie à moi quand j'en mangeais, en fait. Voilà. Du coup, je vais éviter. Mais il y a peut-être moyen de le cuire, je sais pas. Oh non, on s'est fait attaquer. N'empêche qu'il y a un moment, on va se faire péter nos défenses et on aura l'air malin. Ah ouais, ça va arriver un jour. Bon, c'est pas demain, hein, mais... Hop. Ramasse donc ça. Voilà, ensuite, on est reparti. Il nous faut un coffre, ici. Un bras. Là, un bras filtrable ici. Oui, d'ailleurs, non, c'est un bras filtrable ici aussi qu'il faut. Un bras filtrable ici, pardon. Je m'agouré. Hop, hop. Et donc toi, tu ne prends que le soufre. Voilà. C'est parti. C'est Alt pour ramasser les trucs par terre, je sais plus, c'est un peu bordé, il y en a partout, voilà. Et du coup... Non, je le prends là. Je le prends ou je le pose? Ah putain, ouais. Oups. Voilà, c'est bon, je crois que c'est pas mal comme ça. Et donc du coup, est-ce que toi t'arrives à marcher maintenant? Tu termines et tu poses dans le coffre, c'est parfait. Ça me va. Ça devrait permettre d'avoir un petit peu plus de production. Même si je crois qu'on est quand même bien niveau potion bleue, on en a 150 d'avance, ça va. Bon, cela étant dit, on s'occupait de faire des trucs.
C'est ça, non, hein? On s'occupait de faire des trucs. Oui, il fallait qu'on fasse des batteries, des batteries. Les batteries, il nous faut des plaques de fer qui sont ici. Il nous faut les récupérer, d'une manière ou d'une autre. On pourra les récupérer là, éventuellement. C'est un peu pourri. Est-ce que j'aurais moyen d'évacuer par là? Mettons ce bras ici. Alors un petit poteau électrique. Putain, c'est la tèche. On peut pas mettre de poteau électrique dans ce bled. C'est ouf. Voilà, truc dans le genre. Du coup là, on est capable du coup de faire ça. Ce qui veut dire qu'après, il faut qu'on décale ce truc là un peu. Est-ce que c'est bien intéressant? Je suis pas convaincu, je suis pas convaincu. Ouais non, c'est pourri. C'est pourri, c'est pourri. Si c'est pourri, on ne fait pas. Je pourrais prendre lui, le mettre ici. Je suis pas sûr que ça fonctionne ça. Ouais, il faut que ça lui arrive comme ça lui, hein, bien sûr. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait qu'on l'enlève. On le met là. Et on l'injecte dedans comme ça. Et là, du coup, on a moyen de se greffer ici. Ouais, c'est un peu de la bidouille, hein. Je l'accorderai aisément à ceux qui me le diront. Donc une fois qu'on a ça, ouais, en fait ça m'aide pas parce que même ici là, je vais jamais pouvoir foutre un truc. Si je peux faire ça. Hop. Hop, voilà. On récupère un peu de place, n'est-ce pas? Alors après, il faudra que je fasse ça, que je remonte et que je me barre par ici. Putain, ça va être... Je suis en train de faire des trucs, mais designement moche, c'est assez ouf. Tant que ça fonctionne, c'est le principal. C'est un peu ça, ouais. Et ça y est, on a évacué nos plaques de fer, truc de fou. Par contre, je pense qu'il faudrait qu'on priorise, là pour le coup, on va se servir du nouveau super priorité. Alors attends, gauche et droite, c'est... Oula, non, c'est là, priorité en sortie à gauche. Je comprends pas le concept. Faut faire des tests droite. À mon avis. D'accord, priorité en entrée. Ah oui, non, d'accord. Priorité en sortie à droite. Voilà, tu vas d'abord me sortir vers la droite parce que c'est là qu'il y en a le plus qui se dispatch. Ok, très très bien. Alors on peut pas aller aussi loin que pour mettre des ratios 1/5 et tout comme t'aimerais, Katox, mais au moins il y a moyen de faire des trucs. Les ratios 1/5, c'est la vie. Je l'ai toujours dit. Les fameux ratios 1/5 qui sauvent la planète, quoi. La planète et le reste. Et le reste. Alors, cela étant fait, est-ce qu'on peut se poser ici, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on récupère du soufre. Alors, on pourrait s'amuser à faire un répartiteur qui ne trie que le soufre, par exemple. Parce que maintenant, on sait faire. Ça pourrait être intéressant. Mais, est-ce qu'on saurait quoi en foutre? C'est ça la question. Parce que si je le dégage ici, je me retrouve avec par exemple du soufre réparti là. Je pourrais faire un virage, me rebarrer par ici, ouais, ça peut le faire.
Alors, on ne filtre que le soufre. Non, sur la droite, que du soufre, voilà, s'il te plaît. Ça marche ça? Ah, ça fonctionne. Oh là là, la technologie! So powerful. Technologie moderne. Ah mais là du coup effectivement ça va pas marcher parce que je peux pas faire mon virage, merde. C'est embêtant, pas assez de place. Alors si je fais un truc comme ça, ça marche? Non, ça marche pas du tout, on est d'accord. Je me dis que j'ai bien fait d'aller faire le tour des munitions des tourelles qu'on a posées près de... Ah, près de, du pétrole, là? Ouais, il en restait respectivement 3 et 5. Effectivement. Certains diraient que c'était un petit peu la dèche. Ah, un petit peu. Pas que, pas que. Ouais, ça c'est embêtant. En fait, le fond du truc, c'est que si je fais passer un truc là, il va se retrouver à bainer les plaques de fer. Ce qui serait pas forcément déconnant, hein, dans l'optique où je l'enverrais vers un truc qui a besoin de plaques de fer, hein, vous me direz, mais... Hop, je me retrouve avec du soufre et des plaques de fer de manière totalement, absolument pas prévue. Du coup, cette construction-là ne me sert à rien. Je suis presque tristesse. Presque. Donc là, du coup, si on voulait faire... qu'est-ce qui se passe? Une tourelle est attaquée. Merde, où ça? Ah bah c'est chez toi. Tu t'en sors? J'essaie de faire une progression. Je sais pas si tu connais la stratégie des châteaux sur Age of Empires. Si, tu poses tes tourelles et puis t'avances. Et une fois que ça a tué tout le monde, tu les poses plus loin. Exact. Moi j'irai à la Kalachnikov dans le tas, mais chacun sa stratégie. Écoute, tu peux faire, je te regarde. Ok, j'arrive. Une voiture, non? Je t'ai laissé une voiture près de l'arrivée du minerai de cuivre. Oh, c'est beau. Et je t'ai mis des munitions dedans, je t'ai mis des kits de réparation dedans. Le mec. Et même des grenades. L'arrivée du minerai de cuivre. Ah oui, alors comment on rentre déjà? C'est entré, je crois. Entrer ouais. Dans la voiture. Ouais, par contre, il fait nuit, ça va être tendu, ce ring. Où est la porte déjà? Aïe! Ah, ça c'était un arbre. Très très bien. Oh putain. Le virage de l'enfer. Si le train arrive, je me fais défoncer la franche. On est obligé de sortir par la sortie du train, toujours. Hein. Ouais. C'est bon, il est sorti. Tra, les crasheurs ont plus de portée que les tourelles, c'est la merde. Ah tiens, il me semblait que j'avais calculé que c'était pas le cas pourtant. En tout cas... Ah, il y a des crasheurs qui se sont fait... Enfin, des trucs qui sont écrasés par le train aussi, on dirait. Arrêtez-vous. Passons, on peut passer là. On peut passer, c'est bon. Alors c'est des mobs. Leur crash dessus. Non, c'est des crasheurs. Du coup, je n'ai absolument pas abandonné l'idée des batteries, hein. C'est juste que voilà, il fallait que je démontre à Katox comment on nettoie un nid. Ah ouais, la vache! Ouais, hein. Voilà. Tu veux que je te fasse un petit repli? Mais toi, c'est vrai que si toi t'as pas de lag, tu peux peut-être tenter de détourner un peu la tension. Parce que moi j'ai du lag avec, c'est pas des tourelles, hein, c'est des restes de tourelles. Parce que. Putain, comment on fait pour tirer déjà? J'ai déjà perdu les boutons. Espace, tu maintiens espace. Ah, espace, putain, c'est ça, espace. Allez, qu'est-ce qui me tue? C'est parce qu'il y a des taches d'acide par terre. Putain. Tant pis, vous sacrifierez pour la science. Vous êtes mort, pas de chance. Bon. J'avoue qu'effectivement ils sont plutôt en nombre. Hein. Et puis du coup je pense pas lancer mes grenades. Ils sont vénères. Ah ils sont vénères, ouais. Je pense pas du tout à mes grenades en plus, c'est pas bien.
Mais en fait, tu peux tirer à partir de là. Mais pourquoi je me prends des dégâts d'acide comme ça? Ah, d'accord. Quand les crasheurs meurent, ils laissent une petite flaque d'acide sur le ouais, sol. Ouais, il laisse une flaque par terre, ouais. Exact. D'accord. Est-ce que le train est là? Merde, le train n'est pas là. Ah, sinon, il y a la voiture qui est près de la... Ouais, mais je vais pas prendre toutes les voitures au bout d'un moment. Bah, prends les deux, comme ça on pourra peut-être faire le tour à deux. Bah, j'en ai, ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'on pourra tourner en rond. Ah, la voiture change de couleur, c'est pour ça qu'elle était grise quand je l'ai prise à la base. Elle est devenue jaune quand je suis rentré dedans, et celle-là était rouge, et est devenue jaune quand je suis rentré dedans. Oh, mais t'es sérieux là? Sans déconner quoi. Pouf, pouf, juste. Pouf, pouf, pouf. Alors, du coup, la forêt, on va passer par là. Ouais, on va passer par là. Il y a un truc qui manque quand même, c'est un klaxon. Je suis sûr qu'il y en a un en plus. Il doit y en avoir d'office. J'ai pas je vais faire, c'est que j'ai un peu blindé. Elle tire aussi toute seule la voiture ou faut faire des trucs? Non, tu m'en tiens pas, c'est tant que t'as des munitions qui sont dedans. Ouais. Elle a tiré sur un truc, je sais pas sur quoi. Hop. Voilà. Je mets une petite réserve dans cette tourelle là, comme ça au moins on a déjà un peu plus de... Ah ouais, par contre, mais rouler sur les... pas rouler sur les flaques d'acide avec la voiture, c'est tendu. Hein. Ah ouais. Je vais peut-être reprendre mon... Je... Putain, avance. Tombe. Mon cadavre, j'avais oublié de reprendre mon cadavre. Où est mon cadavre? Alors là... Oh, au milieu de tout ce truc là. Je suis là. Attention, c'est bon. Comment on prend tout? Ça y est, il m'a tout pris tout seul, parfait. Peut-être répare ta voiture. Comment on fait du coup? Donc normalement dans l'intérieur de ta voiture, je t'ai mis des kits de réparation. Non, j'ai du charbon et des grenades dans celle-là. T'as pas? Attends, peut-être... Ah ouais, mais non, parce que du coup c'est dans celle que j'ai là. Je regarde si j'en ai pas... Non, on dirait pas. J'ai des... Tiens, j'ai des modules de vitesse sur moi, faut que j'en mette. Ça, je te parle, je vais la réparer. Hop. Quoi, voilà. C'est juste, tu prends le module, tu l'appliques dessus et puis c'est fini. Ouais, ça... ça... Oh putain! Je l'avais pas vu la tourelle au milieu des cadavres quoi! Putain l'acide! Ah putain, je suis cassé par un caillou! Non! Pour qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh la haine! Oh la vache! Ah ok, j'ai été vers le haut, c'était un petit peu trop la violence. Là, bah moi je me suis coincé par un caillou, camouflé par les cadavres. Ah la vache, puis alors là où je suis mort, récupérer mon cadavre, ça va être la violence par contre. Bah il faut recréer deux voitures et puis on y retourne. Attends, il me faut une arme surtout. Là. Alors qu'est-ce qu'il faut pour créer des voitures? Voiture, lance-missile, j'aime ce nom. Oui, on peut en faire, mais du coup il faut faire des explosifs. Ouais, j'imagine. Il me faut un fusil d'assaut. Des plaques en fer, bah tu fais quoi? Hop. Eh, hey, mes plaques en fer! N'a plus! Hop, je refais deux voitures, c'est très bien. Et il manque quoi pour en refaire? Hop. Je vais aussi faire des munitions perforantes, ça sera un peu plus efficace, je pense. Hop. Donc il faut mettre. Produire un cas de circuit électronique avancé par heure. Ah bah, pas mal. Bah on prend un peu de charbon puis on le fout dedans, non? Bah ouais, c'est à peu près ça. Hein. Faut juste prendre des munitions du coup. Cette charbon, c'est un peu peu quand même. Ouais, j'ai pas assez de munitions non plus. Je vais me faire des chargeurs perforants, c'est quand même plus performant que le chargeur standard. Hein.
12. 12 quoi? 12 serveurs, c'est tout. Bah, c'est ce que j'avais sous la main, surtout, pour l'instant. Attends, ça se fabrique. On va aller en chercher en bas. Hein. Parce que je te rappelle que t'as fait des usines à chargeurs. Je sais, je sais. Mais on en a besoin pour la science. La ouais. Science. Je crois qu'il faut augmenter la production de chargeurs. Parce que... On en a pas beaucoup en tampon et je pense qu'on va en bouffer beaucoup ces prochains moments. Des chargeurs standards, tu veux dire ou... Ouais, chargeurs standards. Il faut quoi pour en faire du coup? Les chargeurs standards, je crois qu'il faut juste des plaques de fer. Juste des plaques de fer, ouais. Donc on peut... J'avais laissé un coffre quelque part avec plein d'items, je sais pas du tout où il est. Il est en bas, je crois, au niveau des. Là où il y a tout le bordel de triage. Voilà. Voilà. Des machines d'assemblage, c'est parfait. On a plus de potions bleues, merde, comment ça se fait? Qu'est-ce qui va pas? Ah bah on a plus de moteurs. C'est parce que t'as pris tous les moteurs, non? Non, je fabrique les moteurs à part. Pourquoi ils se fabriquent pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà il manque un bras là, certes. Ça j'entends bien. C'est très con effectivement de l'avoir raté. Mais ici, pourquoi ça marche pas? Parce que t'as pas d'engrenage. Oh là là, putain, j'ai fait un peu de la merde sur ma conception là. Et en fait, il n'y avait qu'un seul truc de moteur qui fonctionnait. Forcément. Ça fait pas beaucoup. Ouais, ça fait un peu goulot d'étranglement, ouais. Allez, on attend d'avoir fabriqué un bras. Hop. Ça y est, un autre bras. Oui, comme ça, ouais, tout à fait. Voilà, je pense que ça devrait aller un peu plus vite. Je sais pas ce que j'avais merdé, hein. C'est bizarre que je l'ai pas vu avant, mais. On va dire que c'est pas très très grave. Putain, on se fait attaquer à l'entrée de la du camp, ça a l'air de tenir. Où sont les voitures? Ici, voilà, 140 chargeurs. Et alors, comment on prend la moitié déjà? C'est shift, non? Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain. Voilà, hop. Voilà, 60 chargeurs par voiture, c'est pas mal déjà. Ça va aller. Disons que quand on arrivera à court, il sera temps de s'enfuir quoi. C'est ça. Maintenant, faut réussir à sortir d'ici sans se prendre quoi que ce soit. Ah, quand on marche sur les rouleaux, ça nous entraîne. Ah oui. Hop. Normalement, si on passe du côté des rails, ça le fait. Je me demande si notre camp n'est pas tombé du coup là-bas, maintenant. Tu crois? Je sais pas. Enfin, cela dit, ce que je sais, c'est qu'il va falloir qu'on arrête l'épisode là. Hop là, pouf, je mets en pause. Et on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'était une fois de plus, on part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, on va y arriver. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, on est c'est aussi le fun, hein. Honnêtement, c'est là qu'on s'amuse, hein. On est là pour s'amuser, pas pour faire un truc ultra optimal. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça, je le rappelle pas souvent, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et on se dit du coup, à très bientôt pour la suite. Salut.